Donc on va travailler donc aujourd'hui sur les, je vais changer de couleur, sur les suites géométriques. Alors en fait on a déjà travaillé là-dessus, donc on les connaît les suites géométriques. Alors c'est quoi une suite géométrique? Ben, je vais en donner une par exemple. Si je vous donne la suite de nombres 3, 9, 27, alors après comment ça va donner quoi ça? 21, 81, ainsi de suite. Vous pensez à quoi là? Donc là j'ai une suite géométrique de premier terme que je peux appeler U1 égale 3. Et pour passer d'un terme au suivant, je multiplie à chaque fois par 3. D'accord? Donc là c'est ça une suite géométrique. Une suite géométrique, en fait, finalement, pour obtenir le terme suivant, ben, on va prendre un nombre qu'on appelle la raison aussi. Comme pour les suites arithmétiques, on appelle ça la raison, mais notre petit q et pas petit r, fois le terme précédent. Vous voyez? Et donc, je passe d'un nombre au nombre suivant en multipliant par toujours le même nombre. Et ici, en fait, j'aurai petit q qui est égal à 3. Donc ici, j'ai une suite géométrique de raison 3. D'accord? Il va falloir être capable de reconnaître les suites géométriques. Si je vous donne par exemple la suite 2, 4, 8, 16, 32, ben c'est un deuxième exemple de suite géométrique. Et là, petit q, donc la raison, est égale à 2, puisque je passe d'un terme au suivant en multipliant à chaque fois par 2. Donc vous voyez un petit peu ce qu'est une suite géométrique? Voilà, donc elle est définie par cette relation-là. Alors, donc un exercice que je pourrais vous poser, hein, c'est je vous donne par exemple U1 égale 5, je vous donne petit q égale 4, et je vous demande de me calculer U6. D'accord? Voilà le type d'exercice que vous aurez, hein. À l'interrogation. Alors comment je fais ça? U1 égale 5, Q égale 4, je veux calculer U6. Alors ben, on peut donc... d'ailleurs à ce propos, j'aurais dû télécharger une calculatrice, hein, parce que je vais avoir besoin de calculatrice. Donc vous avez U1 qui est égal à 5. U2 va être égal à 5 fois 4, c'est-à-dire à 20. U3 va être égal à 20 fois 4, c'est-à-dire 80. Donc vous voyez, à chaque fois, hein, j'ai les termes de ma suite, là, 5, 20, 80. Alors après, je vais avoir U4, qui va être égal à 80 fois 4, c'est-à-dire 320. U5, qui va être égal à... Donc, alors ça va faire 4 fois 0, 0, 4 fois 2, 8, et 4 fois 3, 12. J'ai U5 qui est égal à 1280. Et U6 qui va être égal à 4 fois 1280, c'est-à-dire, alors 0, 4 fois 0 ça fait 0, 4 fois 8 ça fait 32 et je retiens 3, 4 fois 2, 8 et 3, 11 et je retiens 1, 4 fois 1, 4 et 1, 5. Donc j'obtiens U6 égale 5120. Voilà, vous avez répondu à la question. Évidemment, c'est pas comme ça que vous allez faire pendant l'interrogation, parce que déjà ça prend du temps. Et puis je vais pas vous demander U6, mais je vais vous demander U121 par exemple. Alors pour calculer U121, vous imaginez, si je fais comme ça, je ne vais pas y arriver. Hein. Alors comment on va essayer de trouver une première formule. Hein. Une première formule un peu du style, vous savez, pour les suites arithmétiques. Rappelez-vous, hein, on avait la formule. Pour les suites arithmétiques, on sait que U petit q, c'était égal à U petit p, je ne sais plus comment on va l'appeler. C'est égal à UP plus Q moins P. Fois la raison, d'accord? Ça, c'est pour les suites arithmétiques. Et donc là, effectivement, connaissant UP et connaissant la raison, ben, je sais calculer n'importe quel terme de la suite. Ben, on va essayer de trouver une formule identique, mais pour les suites géométriques. Alors, je peux vous la donner, en fait, tout de suite, et on va la justifier. Pour les suites géométriques, alors, ça ressemble énormément à ça. Alors, évidemment, je ne peux pas appeler ça petit q ici, parce que vous voyez, petit q, on l'a déjà utilisé pour donner le nom de la raison. Donc, on va plutôt parler de,
On va écrire ça, RS. US par exemple. US va être égal à UP multiplié par Q exposant S moins P. Vous voyez? Donc ça va être la formule pour les suites géométriques. Alors, avant de la démontrer, on peut essayer d'utiliser dans l'exemple précédent. Dans l'exemple précédent, j'avais UP qui était égal. UP c'était U1 et c'était égal à 5. D'accord? Et je voulais calculer US, c'est-à-dire U6. D'accord? Hein, si je, et j'ai petit q, la raison qui est égale à 4. Ça, c'était l'exemple précédent. D'accord? Donc, dans l'exemple précédent, j'avais U1 qui vaut 5. J'avais petit q ici, à chaque fois, je multiplie par 4. Vous voyez? À chaque fois, je multiplie par 4. Et c'est petit q. Et je voulais calculer U6. Alors, si j'applique la formule, ça va donner quoi? Ça va donner U6 égale U5 U1, hein, UP c'est U1, multiplié par la raison, c'est-à-dire 4, exposant S moins P, c'est-à-dire 6 moins 1. Vous voyez? Et alors après, je remplace. U1 c'est 5 fois 4 exposant 5. Alors là, on peut utiliser une calculatrice. Alors, je vais remettre mon clavier. Je vais vous montrer une calculatrice que j'aime bien, que vous pouvez d'ailleurs télécharger sur vos téléphones. Donc, si je vais, je ne sais pas si je l'ai en fait. Je vais mettre en mode déjà. Je vais me mettre en mode. Voilà, je suis plus en mode 1. Très bien. Est-ce que je l'ai? Bon, il y a GeoGebra qui pourrait être pas mal, mais je préfère utiliser la calculatrice GeoGebra. Donc en fait, si vous voulez, vous allez sur Internet, vous tapez GeoGebra, et vous pourrez faire ça également sur vos téléphones, hein. Et donc GeoGebra propose des applications mathématiques gratuites. Et alors, donc, vous voyez, comment ça se fait que c'est si lent? Voilà. Et vous avez des calculatrices, calculatrices graphiques, calculatrices scientifiques, calculateur de géométrie. Donc en fait, j'aurais pu préparer ça un peu avant. Je sais, on va prendre application pour les tests, application mathématique, plus d'applications. Je pense qu'on doit pouvoir la télécharger. Si je clique là-dessus, il se passe quoi? Donc ça, c'est la calculatrice de GeoGebra. Vous pouvez télécharger ça sur votre téléphone aussi, hein. Donc elle ressemble à ça. Et donc je voulais faire comme calcul 5 fois 4 exposant 5. Donc 5, vous voyez, c'est écrit ici, hein. Ça s'écrit là, ce que j'écris là. 5 fois 4 exposant. Et je peux aussi utiliser le clavier, hein. 5 fois 4 exposant 5, vous voyez, je trouve 5120. Alors c'est là que je vais vérifier que j'ai fait juste. Et qu'est-ce que j'avais obtenu ici? J'avais bien obtenu 5120, vous voyez. Donc voilà. Voilà, donc cette formule qui est ici, hein, qui est l'équivalente de celle-ci pour les suites arithmétiques, me permet de trouver comme ça facilement U6 sans besoin de calculer tous les termes, hein. Je n'ai pas besoin de calculer U2, U3, U4, U5, puis U6. Je peux directement calculer U6. Et donc, si vous voulez, toujours en restant sur cet exemple, si j'avais demandé de calculer U28, ben U28, ça aurait été U1 fois, la raison, c'est toujours 4, hein, exposant 28 moins 1. Donc, ça m'aurait donné 5 fois 4 exposant 27. Donc, pour calculer U28 à partir de U1, ben, il faut que je multiplie U1 par 4, la raison, exposant 27. En fait, il faut que je fasse 4 fois 4 fois 4 fois 4 jusqu'à arriver U28. Et en fait, il faut que je multiplie par 4 27 fois. Hein, en gros, ça revient à dire ça. Alors là, ça risque de faire un gros nombre. On va essayer de voir ce que ça donne. 5 fois 4 exposant 27. 5 fois
4 exposant 27. Voilà, ça donne ce résultat-là, vous voyez. Bon, je ne vais pas le réécrire. Donc il y a 3, et 3, 6, et 3, 9, et 3, 12, et 3, 15. Donc ça fait à peu près 90, 10 exposant 5, vous voyez. C'est un nombre énorme, hein. 10 exposant 15, j'ai dit, hein. Donc c'est... Voilà. 3, et 3, 6, et 3, 9, et 3, 12, et 3, 15. Donc ça fait 90 suivi de 15 à 0, quasiment, hein. Bon, c'est pas tout à fait le cas, mais c'est l'ordre de grandeur. Ça fait environ ça. Voilà. Donc, vous voyez les suites géométriques par rapport, contrairement aux suites arithmétiques, si la raison est supérieure à 1, elles vont vraiment, les termes vont grandir très très rapidement. Vous voyez? On va obtenir très rapidement des nombres immenses. Donc, c'est important de retenir ça. D'accord? Si pas, voilà. Donc, on peut faire encore un exemple pour être sûr que vous avez bien compris. Si je vous donne U5 égale, je ne sais pas, moi, 17, je vous dis que petit q est égal à 2, et je vous demande de calculer U20. D'accord? Voilà. Alors, comment on fait ça? Donc, U5 égale 17. Donc, ça peut être l'énoncé d'un exercice. Hein, l'énoncé de l'exercice. Je vous donne un terme de la suite, U5. Je vous donne la raison, et je vous dis que c'est une suite géométrique, hein, et je vous demande de calculer U20. Or, j'applique la formule. U20, ça va être U5 fois petit q exposant 20 moins 5. Vous voyez, le 20 moins 5, cette soustraction que l'on avait déjà dans la formule des suites arithmétiques, on la retrouve. Mais cette fois-ci, ça me dit combien de fois je vais devoir multiplier U5 pour obtenir U20. D'accord? Je vais être obligé de multiplier U5. Donc U5, c'est-à-dire 17, je vais être obligé de multiplier par 2 15 fois. D'accord? Donc c'est 17 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2 15 fois. Et au bout de 15 fois, en partant de U5 et en multipliant par 2 15 fois, je vais obtenir U20. D'accord? Vous voyez l'idée, hein? Et alors après, je prends la calculatrice. 17 fois 2 exposant 15. Donc je peux écrire aussi directement au clavier, hein? 17 fois 2 exposant 15, voilà, ça donne 557 056. Voilà. 0,50. Est-ce que il y a des questions par rapport à ça? Est-ce que ça va? Moi, j'ai une question. Oui? Vous voyez, quand vous dites la raison, c'est Q, pourquoi vous mettez Q et pas R? Parce que vous avez changé les lettres des formules et ça embrouille, en fait. Oui, mais c'est en fait, oui, je comprends ta question. C'est une bonne question, une bonne remarque. Effectivement, ensuite, pour les suites arithmétiques, la raison, elle appelle petit r. Mais tu verras, quand tu prends un livre de mathématiques, des livres de secondaire ou n'importe où, pour les suites géométriques, la raison, elle appelle petit q. Voilà, c'est comme ça que c'est fait. C'est pour un peu différencier aussi les deux, pas confondre la suite arithmétique avec petit r comme raison, et la suite géométrique avec petit q. Si tu veux, on appelle ça la raison à chaque fois, mais c'est des propriétés bien différentes pour chacune des suites. D'accord? Donc c'est pour ça qu'on a choisi une lettre différente. Mais je suis d'accord avec toi, hein, on aurait pu mettre petit r. Hein, on aurait pu utiliser petit r. Bon, dans la pratique, on utilise plutôt la lettre petit q pour une suite géométrique. On utilise plutôt la lettre petit r pour une suite arithmétique. D'accord? Voilà. Ok, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, vous voyez, c'est relativement simple. Alors, y a une suite qui est vraiment formidable. Enfin, vraiment formidable. Évidemment, pour l'instant, j'ai pris des raisons toujours plus grandes que 1, mais on pourrait prendre q égale 1/2, par exemple. Donc, une raison plus petite que 1/2. Donc, vous voyez que là, U5 était égal à 17 et U20 est beaucoup plus grand. Enfin, il est déjà plus grand. Il vaut 557 056. Et à chaque fois, vous multipliez par 2. Donc, vous arrivez très rapidement à des très grands nombres, comme je disais. Mais si vous prenez q égale 1/2, eh bien, et que vous prenez par exemple U1 égale, prenons, je ne sais pas moi, 1, ben alors vous allez obtenir U2 qui vaut 1/2, U3 qui vaut 1 quart, U4 qui vaut 1 cinquième, et ainsi de suite, vous voyez, pardon, 1 quart, 1 huitième, pardon, U5 qui vaut 1 seizième.
Donc à chaque fois, vous divisez par 2. Hein. Hein, multiplié par 1,5, ça veut dire divisé par 2. À chaque fois, vous divisez par 2 le terme de la suite. Alors je peux par exemple vous demander de me calculer U11, par exemple. Ben, pour calculer U11, ça va être U1 fois la raison exposant 11 moins 1. Vous voyez, à chaque fois, hein, il faut bien noter. Hein. Vous reprenez le 0, le 11, il est ici. Vous reprenez le 1, ici l'indice, vous le retrouvez ici, d'accord? Et donc ça va donner ici égal, donc U1 c'est 1, multiplié par petit q, 1,5, exposant 10. Alors je prends la calculatrice. Donc ben, 1 fois 1,5, hein, le 1 on s'en fout. Donc ça fait entre parenthèses, il ne faut pas oublier les parenthèses, donc je suis ici, hein. Donc entre parenthèses, 1 divisé par 2. Et alors c'est, je sors de la parenthèse, je choisis exposant. Donc cette calculatrice, hein, encore une fois, hein, cette calculatrice, vous pouvez l'avoir sur votre téléphone, d'accord? Et elle a un mode en fait. Bon là j'ai la version en ligne, donc c'est pas le cas. Mais quand vous l'aurez téléchargée sur votre calculatrice, elle a un mode examen. Et je peux, en ce qui me concerne, l'accepter en interrogation. Accepter que vous utilisez votre téléphone comme calculatrice en interrogation, à condition que vous ayez la calculatrice GeoGebra et qu'elle soit mise en mode examen. Mais ça, on en rediscutera, si vous voulez bien. Alors ça fait, attendez, parce que là, je n'ai pas terminé, donc ça fait 1,5. Et je vais mettre, donc, attendez, parce qu'il m'a enlevé les parenthèses, du coup, là. 1,5 exposant. Alors j'avais dit exposant combien? Exposant 10. Oh bah si à chaque fois il me fait le coup là. 1,5 exposant 10. Donc j'ouvre la parenthèse, voilà, tac. Je sors des parenthèses et je mets l'exposant 10. Et ça donne. Voilà, 9, alors si j'arrondis 9,8, on va dire 9,8 10 exposant moins 4. Je vais l'écrire en deux parties, donc ça fait 0,00097. Voilà, et ainsi de suite. Et alors, si je vous demande d'arrondir, on va dire avec 5 chiffres après la virgule, si je vous demande d'arrondir avec 5 chiffres après la virgule, donc vous voyez, vous avez ces 5 chiffres-là après la virgule, mais évidemment, le 7 ici va devenir 8 parce que j'ai un 6 derrière. D'accord? Si j'ai 0, 1, 2, 3 et 4, il serait resté tel qu'il était. Hein, si le 6 ça avait été ça, ben, le 7 n'aurait été inchangé. Mais si je prends 5, 6, 7, 8 et 9, eh bien là, il faut ajouter 1. Et donc ça va donner 0,00098. 98. Avec 5 chiffres après la virgule. D'accord? Voilà, j'ai calculé U11. Voilà comment on calcule en fait des termes d'une suite géométrique. Hein, donc, alors comment je peux vous démontrer la formule, hein? Comment on a trouvé cette formule comment je l'avais écrite cette formule? J'avais noté US égale UPQ exposant S moins P. US égale UP fois Q exposant S moins P. Ah, bon, alors c'est pas très compliqué, hein. Bon, en fait. Donc vous partez de UP, et puis pour avoir UP plus 1, ben, ça va être UP multiplié par la raison petit q. Si vous voulez UP plus 2, ça va être UP plus 1 fois petit q, c'est-à-dire UP fois q, c'est-à-dire UP fois q au carré. Et vous voyez que vous avez bien, hein, voilà. UP plus 2, ben je peux dire que c'est mon petit s. D'accord? Vous avez donc UP plus 2
qui est égal à US, hein, puisque S. Et alors c'est égal à quoi? À UP fois Q au carré. Et en fait, vous remarquez que comme vous avez dit que S est égal à P plus 2, vous êtes d'accord que S moins P, en enlevant P de chaque côté, S moins P, c'est bien égal à 2, vous voyez? Et en fait, c'est bien UP fois Q exposant S moins P. Vous voyez? Vous pouvez le vérifier comme ça. On va se contenter de ça. Hein, pour justifier cette formule ici, hein, on peut se justifier, on peut se contenter de cette remarque-là, en fait. Vous voyez? On retrouve bien, hein, on retrouve bien la formule, en fait. Vous voyez? Donc, je connais UP, hein, vous voyez l'idée, hein? Je connais UP, je connais petit q, et je veux UP plus 2, donc le terme, pas le terme suivant, mais celui d'après, d'accord? Ben, il faut que je multiplie par q deux fois, d'accord? Et pour obtenir ce nombre ici, dans le cas général, pour obtenir ce nombre, c'est-à-dire pour obtenir ce nombre-là, ben, il faut que je prenne le nombre ici et que je lui enlève le nombre qui est là. Voilà. Voilà comment on justifie cette formule. Donc finalement, rien de bien difficile. Alors maintenant, donc ça, on sait faire. Maintenant, on va s'intéresser aux sommes. Les sommes, donc la somme de termes consécutifs. J'ai enlevé le clavier parce que là, c'est pas très pratique. Quelle heure est-il? 10h39, je terminerai là-dessus. Hein. Somme de termes consécutifs d'une suite géométrique cette fois. Donc on sait déjà hein, calculer les premiers termes d'une suite arithmétique. Ben, on va maintenant apprendre à calculer les premiers termes, la somme des premiers termes d'une suite géométrique. D'accord? Alors, ben, allons-y, hein. Cette somme, on peut l'écrire, c'est U1 plus U2 plus U3 plus jusqu'à U, on va dire 10, d'accord? Donc, supposons que je veuille calculer cette somme ici, sachant que petit U1, U2, U3, ce sont les termes d'une suite arithmétique, c'est-à-dire je passe de U2 à de U1 à U2 en multipliant par un certain nombre. Si vous préférez, je peux peut-être prendre des nombres, parce que je sais que vous préférez prendre des nombres. Alors si, par exemple, je prends la suite de premier terme, donc si je prends 3 plus 6 plus 12 plus... Donc à chaque fois, je multiplie par 2, vous voyez? 3, 6, 12 fois 2, 24 fois 2, 48 fois 2, je vais jusqu'à 96, d'accord? Je peux tous les écrire. 12 plus 24. Plus 48, plus 11. Voilà, imaginez, je vous demande de calculer cette somme. Alors évidemment, hein, on peut ne pas s'embêter, prendre la calculatrice et faire 3 plus 6 plus 12 plus 24 plus 48 plus 11, et on a le résultat. Évidemment, encore une fois, il faut imaginer qu'on a un très grand nombre de termes, une centaine ou 200 termes. Donc j'ai pas envie de rentrer mes 200 nombres à la calculatrice, d'accord? Donc je vais essayer de trouver une formule, sachant que ben, les termes que j'additionne, ben, je passe d'un terme au suivant, en multipliant à chaque fois par 2. Donc en fait, je peux dire que U1 est égal à 3, U2 égale 6, d'accord, U3 égale 12, ainsi de suite, vous voyez. Donc je remarque qu'en fait, j'additionne les termes consécutifs d'une suite géométrique. Alors comment on va faire ça? La raison c'est 2. La raison c'est 2. Donc je vais calculer 2 fois S. J'obtiens quoi là? J'obtiens 6 plus 12 plus 24 plus 48 plus 96 plus... Alors 2 fois 96, ça fait combien ça? Quelqu'un peut m'aider? Ça fait, je pense, 100... 6 et 6, 12, 192. D'accord? 6 et 6, 12, 2, je retiens 1. 9 et 9, 18 et 1, 19. Est-ce que tout le monde est d'accord que si grand S, c'est cette somme-là? Alors, 2 fois grand S, c'est cette somme ici. D'accord? J'ai multiplié par 2 tous les nombres. Donc, j'aurai 2 fois la somme. Et alors, qu'est-ce que je vais faire? Vous vous rappelez, pour les suites arithmétiques, on prenait les nombres dans l'autre sens et puis on additionnait. Alors là, ce qu'on va faire, on va calculer 2 fois S moins S.
Alors ça va être égal à quoi ça? 2 fois s moins s. Vous voyez? Ça va être égal à ce que j'ai là moins ce que j'ai ici. Et alors il y a plein de nombres qui sont identiques, qui vont se simplifier. Vous voyez? Par exemple, je vais faire 96 moins 96, 48 moins 48, 24 moins 24, 12 moins 12, 6 moins 6. Et donc ça va être égal à quoi finalement? Ça va être égal à 192 moins 3. Vous voyez? Et alors, donc là, je peux mettre s en évidence. Ça veut dire que s fois 2 moins 1, ça va être égal à 192 moins 3. Et donc finalement, grand S, ça va être égal à 192 moins 3 divisé par 2 moins 1. Alors, donc ça va donner quoi, hein? Ça va donner 192 moins 3, ça fait 189. Et donc, vous voyez, je trouve que la somme est égale à 189. Alors, on peut vérifier, hein? On peut la calculer, hein? La somme 3, 6, 10. Donc, si je reprends ma calculatrice. Monsieur, attendez, vous allez vraiment trop vite en fait, j'arrive pas à suivre. Oui, donc l'avantage c'est que tu pourras revoir la vidéo au ralenti. Donc j'essaie de calculer la somme. Donc ça vous avez bien compris, hein? 3, 6, 12, 24, 48 et 96, ce sont des termes d'une suite géométrique qui se suivent. D'accord? Cette suite, bon, je peux dire que 3 c'est le premier terme, U2 c'est le deuxième terme, U12 c'est le troisième terme, ainsi de suite. D'accord? Troisième, quatrième, cinquième. Ici, 96, ce serait le sixième terme, d'accord? U6, ce serait U6. Est-ce que ça va là pour l'instant? Oui, c'est bon. Donc Merci. j'essaie de calculer U1 plus U2 plus U3 jusqu'à U6. Alors pour faire ça, je vais multiplier par Q, je vais calculer Q fois S, c'est-à-dire que je vais multiplier par Q chaque membre de l'égalité qu'il y a là, d'accord? Et donc je vais obtenir. Si vous voulez, je peux le faire d'un point de vue plus théorique. Donc vous avez grand S qui est égal à U1 plus U2 plus U3 plus U6. Et si je fais Q fois grand S, je vais obtenir Q fois U1 plus Q fois U2 plus Q fois U3 plus Q fois U6. D'accord? Et après, je soustrais, je fais la soustraction. Alors, je peux la faire dans l'autre sens, comme ça, ce sera encore mieux. Si je fais S moins Q fois S, hein, vous vous rappelez, on avait fait une addition avec les précédents. S moins Q fois S, ben, je m'aperçois que ben, je vais obtenir quoi? U1 plus U2 moins Q fois U1. Et voyez, ce terme-là et ce terme-là, en fait, ce sont les mêmes. Et donc, ils se simplifient. De même. Ce terme avec ce terme-là, ce sont les mêmes. Donc quand je fais la soustraction, il se simplifie. Et de même, ce terme-là, enfin, je vais changer de couleur. Le terme qu'il y a ici, il va se simplifier avec le terme qu'il y aurait ici. Et le terme qu'il y a là, il se simplifie avec le terme qu'il y a juste avant. Et donc ça va être égal à quoi? Ça va être égal à U1 moins Q fois U6. N'oubliez pas, ce que je cherche, c'est grand S, hein, c'est la somme. Hein. Ce que je cherche, c'est U1 plus U2 plus U3. À quoi est égal U1 plus U2 plus U3 plus U6? Et donc je trouve que grand S fois 1 moins Q, hein, je mets grand S en évidence ici, c'est égal à U1 moins Q fois U6. Et donc j'obtiens que grand S. C'est égal à U1 moins Q fois U6 divisé par 1 moins Q. Monsieur, vous avez écrit quoi en dessous de S moins Q fois S est égal à U1 moins Q fois U6. Vous avez écrit quoi en dessous S fois, entre parenthèses, quoi? 1 moins petit q. Hein, tu es d'accord que si je distribue le s ici, s fois 1, j'obtiens le s qui est là. Le moins ici, c'est le moins qui est là. Et S fois Q, ça va donner ça. Hein, tu es d'accord que S moins Q fois S, c'est égal à grand S fois 1 moins Q. C'est de la mise en évidence. Oui, c'est bon, j'ai compris, merci.
Là, n'oublie pas que l'objectif, c'est de trouver grand S, hein. Donc, en fait, si tu veux, dans cette équation-là, je vais isoler grand S. D'accord? Dans l'équation qui est là, j'isole grand S. Ok. Donc, pour calculer les six premiers termes de la suite, eh bien, la somme des six premiers termes de la suite, j'utilise cette formule ici, qu'on peut encore améliorer. Hein, cette formule-là, on peut encore l'améliorer un petit peu. On peut dire que c'est U1 moins Q fois U6, ce serait égal à quoi, Q fois U6? Est-ce que quelqu'un saurait me dire à quoi ça, par quoi je peux remplacer ça? Plus simplement. Ben, Q fois U6, si j'ai U6, c'est que je multiplie par la raison. Je vais obtenir quoi? Deux fois attendez. Je vais Deux fois obtenir. Q6. Oui, Q est égal à 2. Donc effectivement, j'obtiens 2 fois U6 quand la raison est égale à 2. Mais 2 fois U6, c'est U7. D'accord? À quoi est égal U7? C'est égal à Q fois U6, hein, on est d'accord? Donc plutôt d'écrire Q fois U6, je peux écrire Q7. U7. Vous êtes d'accord ou pas? Donc, en gros, si je résume, hein, donc je veux calculer la somme 6, 3 plus 6 plus 12 jusqu'à 96. 3 plus 6 plus 12 jusqu'à 96. Et je sais que je passe d'un terme au suivant en multipliant par la raison petit q qui est égale à 2. Eh bien, cette somme, ça va être égal à U1, c'est-à-dire 3. U1, c'est 3, moins U7. U7, ça va être quoi? Ici, ça, en fait, le nombre qui est, si vous voulez, il faut que je calcule le terme suivant ici qui viendrait. Après 96, il vient 2 fois 96, c'est-à-dire 2 fois 6, 12, et je retiens 2 fois 9, 18. Est-ce que vous êtes d'accord? Ça fait 192. Donc ça fait 3 moins 192. Mais d'ailleurs, je le retrouve ici, hein, c'est les 192 que j'avais là, hein. Hein, ici, si vous obtenez bien ça, hein, 192 moins 3, sauf que là, je l'ai fait à l'envers, donc c'est 3 moins 192, divisé par... Donc j'applique cette formule ici, hein, d'accord? U1, c'est 3. U1, c'est 3. U7, c'est 192. Et alors, divisé par 1 moins petit q, c'est-à-dire 1 moins 2. Et donc, hein, je retrouve 192 moins 3, puisqu'ici ça fait moins 1, hein, et ça fait bien 189. Hein, je retrouve bien le résultat que j'avais obtenu ici, d'accord? 189. Donc, vous voyez en gros la formule. Hein, si je pouvais donner une formule de façon générale, et puis on va s'arrêter là. Pour une suite géométrique, pour calculer la somme des premiers termes, la somme des grand N premiers termes. Hein, ici, que valait grand N? Dans mon exemple, grand N, il valait 6, d'accord? J'avais 6 termes. J'avais une somme avec 6 nombres. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 nombres. Donc là, si je fais une somme avec grand N nombres, et grand N peut être très grand, hein, c'est ça l'intérêt d'avoir cette formule, ben ça va être égal à quoi? Ça va être à U1 plus U2N plus 1 divisé par 1 moins la raison. Voilà. Voilà une façon d'écrire cette formule de la somme, en fait. Vous voyez? Donc, elle est assez pratique parce que, en général, quand vous écrivez cette somme, vous l'écrivez, si vous avez le premier terme et le dernier, vous voyez, il suffit de prendre le premier, d'ajouter celui qui va suivre le dernier, c'est-à-dire 96 fois 2, vous divisez par 1 moins 2, et vous obtenez votre somme, quoi. C'est assez magique, hein. Je fais juste un exemple et puis on arrête là. Imaginez, je vous demande de calculer 3 plus 9 plus 27 plus... Donc ça, ce sont les multiples de 3, vous voyez? Donc grand S égale 3 plus 9 plus 27 allez, disons, plus 300, d'accord? Voilà, je vous demande de calculer cette somme. Ben, comment je vais faire? Je vais dire c'est égal à 3 plus... Alors, quel est le nombre qui va suivre 300? Après 300, je vais avoir quoi comme nombre?
Allô? Pour passer d'un nombre au suivant, 900, vous je allez multiplie par avoir 3. 900. On va avoir 900, d'accord? Donc ça va être 3 moins 900. C'est plus, hein? C'est plus ou moins? C'est moins, hein? Moins, moins. J'ai une erreur sur ma formule, hein? C'est moins. C'est 3 moins 900. D'accord? C'est un moins ici, hein? C'est le moins qui est ici, hein? C'est 3 moins 900 divisé par 1 moins la raison. Et la raison, c'est combien? 3, hein? Voilà, donc ça fait moins 897 divisé par moins 2. Et donc, c'est bien ça, non? 3 fois 3, 9 fois 3, 27. C'est pas des multiples de... Non, attendez, je me suis trompé, il faut Ça pas fait les... 448,5. Oui, mais là, il y a une erreur, hein. En fait, 300, je vais pas obtenir 300. À chaque fois, il faut multiplier par 3, vous voyez. Il faut multiplier par 3, multiplier par 3. Et donc, prenons par exemple... là, je prends... 3 exposant... Prenons par exemple... oui, ma calculatrice. Non, je vais calculer 3 exposants. C'est n'importe quoi là, ce truc-là. 3 exposants. Par exemple, 3 exposants 8. Ça va donner. Bon, c'est pas terrible. Je vais remettre le clavier, c'est plus pratique parce que là, en mode tablette, il me donne le clavier alors que ça, j'en ai pas besoin. Donc, si je calcule 3 exposant par exemple 8, ça donne 6561. Donc là ici par exemple je vais mettre 6561. Et donc le terme suivant, ben, il faut que je multiplie par 3. 6561 multiplié par 3, ça donne 19683. Et donc ici, il faut que je remplace par 19683. Vous avez écrit 16 000. Ah oui, merci. 19683. Alors si je fais 3 moins 19683, j'obtiens en haut moins 1, 6, 1, 9, pardon, 6,80. Voilà, moins 19680 divisé par moins 2. Et là, vous obtenez un nombre entier. Hein, parce que vous êtes d'accord que cette somme-là, c'est forcément un nombre entier. Hein, ça ne peut pas être un nombre avec des virgules. Hein. Donc ça donne ça divisé par 2. Ça donne en fait 9840. Donc le résultat, c'est 9840. Voyez. Donc si je fais 3 plus 9 plus 27. Et en fait, donc 3, c'est U1. Hein, c'est 3 exposant 1 et je suis allé jusqu'à 3 exposant 8. Hein. Donc en fait, j'ai fait la somme. Ici, c'est la somme de 8 nombres. Hein, j'ai pas écrit tous les nombres, mais j'en ai 8. Hein, de 3 exposant 1 jusqu'à 3 exposant 8. À chaque fois, je multiplie par 3, donc c'est des puissances de 3 en fait, hein, mes termes. Ça va? Voilà. Voilà un calcul de somme. Mais on va revoir ça en classe au prochain cours et on fera quelques petits exercices là-dessus. Hein.